Est-ce que la publicité sur LinkedIn coûte cher? C'est une question qu'on m'a posée et qui revient souvent. Alors, je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Je suis Muriel Toiti, consultante en communication digitale au service des entreprises depuis de nombreuses années. Donc, aujourd'hui, je vais vous permettre de savoir si oui ou non la publicité sur LinkedIn coûte cher. Oui, alors LinkedIn Ads a la réputation d'être plus cher que Facebook. En effet, quand on va créer une publicité, on va déjà être obligé de mettre un budget minimum de 10 euros. J'ai eu le cas en tout cas sur deux types de publicités. Alors, c'est peut-être pas le cas dans tous les types, mais en tout cas dans les campagnes d'engagement, notoriété, génération de leads, donc peut-être probablement toutes, budget minimum de 10 euros. Sur Facebook, on peut mettre beaucoup moins pour lancer une publicité. Autre point, on va pouvoir quand même définir, comme sur Facebook, le mode de paiement, si on est au coût par 1000 impressions, ou click-through rate, ou encore en enchère automatique. Vous pouvez sélectionner ça. Savoir qu'il est comme, enfin, il est conseillé de choisir manuellement en dessous de, enfin, si votre budget est en dessous de 50 euros par jour. Ça, c'est important. Par contre, lequel choisir, comment choisir, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des enchères suggérées et toujours un minimum. Par exemple, si pour un engagement, un like sur votre publication, vous voulez mettre par exemple, comme sur Facebook, vous pouvez dire bon, ben moi, ça sera 10 centimes. Ben, sur LinkedIn, on peut vite vous dire non, ça sera 1 euro. Et encore, c'est le minimum parce que le suggéré va être peut-être probablement plus haut. J'ai eu le cas d'une publicité où on voulait mettre le budget le plus bas au coût par 1000. Le coût par 1000 minimum était de 8,5 euros. Et au final, là, on s'aperçoit que la publicité, elle n'est même pas visible, elle ne prend pas. Du tout, elle n'est pas montrée, elle ne coûte rien parce qu'en fait, l'enchère suggérée était plutôt entre 26 et 32 euros, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte? Donc, il y a à chaque fois, avec LinkedIn, on a des obligations en fait de budget. Cela dit, si vous rentrez un budget journalier, il ne sera pas dépassé. Du moins, il y a juste un petit pourcentage de oui, il peut y avoir un petit dépassement, en tout. Mais bon, comme vous le voyez, si vous ne respectez pas en fait les enchères recommandées, vous ne dépenserez rien du tout parce que ça ne sera pas diffusé. Voilà. Après, quand vous créez votre publicité sur LinkedIn, il y a toujours le moyen de savoir combien le nombre d'impressions prévues, le nombre de clics prévus, le nombre de prospects prévus. Voilà, ce sont des fourchettes évidemment. Mais c'est toujours bon à savoir sur votre budget ce que vous pouvez attendre de votre publicité. Voilà, donc est-ce que la publicité LinkedIn coûte cher? Elle peut coûter cher ou elle peut ne rien vous coûter du tout puisque vos publicités peuvent ne pas être diffusées du tout non plus si vous ne remplissez pas les critères minimum de budget. Voilà, donc si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, mettez-moi bien un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Téléchargez bien votre cadeau gratuit en commentaire. Je me trompe à chaque fois, hein. C'est pas en commentaire, c'est dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous également. Voilà, encore merci et à très vite.